Bonjour, M. Pagel, bonjour à tous. On va voir avec vous un cas pratique concernant le module de contribution, comptabilité analytique d'exploitation ou bien la comptabilité de gestion. Et then, on va traiter bien spécialement la séquence de l'imputation rationnelle des charges fixes sous forme du QCM. Première question, lorsque la production baisse, le coût du revient complet unitaire diminue. La réponse, elle est vraie ou le faux? Bien sûr, réponse faux. Pourquoi? Au contraire, il augmente d'après le cours. Voilà, première question. Deuxième question. Lorsque le coefficient d'imputation rationnelle est supérieur à 1, on impute plus de charges fixes que le montant constaté. Vrai. C'est bien sûr vrai. La réponse est A. Pour neutraliser l'impact des charges fixes, on n'impute plus de charges fixes. Que le montant réel. Bien sûr. Voilà. Maintenant, on va traiter troisième question. Pour neutraliser, selon le principe de la méthode d'imputation rationnelle des charges fixes, les charges variables entrent en totalité dans le coût complet, les charges variables en partie dans le coût complet. Et bien, il est vrai. Eden n'est pas vrai. Je recommence. Eden, la réponse est vraie. Je recommence. Selon le principe de la méthode 1, les charges variables entrent en totalité dans le coût complet. Les charges variables entrent en partie dans le coût complet. La réponse est A. Les charges variables ne sont pas concernées par le traitement. Je corrige les charges variables en totalité. En totalité, elle est mais qui ne sont pas concernés par le traitement apporté par la méthode. Idem. Idem, mes chiffres sont faux, pardon. Idem, A. Réalisez-vous, allez-je. Les charges variables ne sont pas concernées
Pas le traitement. Apporté par la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes au coût. Voilà. Maintenant, on va question 4. Dans le cadre de la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes en période de sous-activité, les charges fixes imputées sont inférieures aux charges fixes constatées. Il est vrai ou faux? Regarde la réponse, c'est vrai. Toujours, le but est de rendre les charges fixes, indépendantes. De l'évolution de l'activité. Et dernière question. Choisir l'information juste. Les charges fixes totales sont constantes et les charges fixes totales pardon, les charges fixes totales les charges fixes totales sont constantes. Fixes totales sont constantes et les charges fixes pardon et les charges fixes unitaires sont variables. B. Les charges fixes totales sont variables. Les charges fixes totales sont variables. Et les charges fixes unitaires sont complexe. Et donne la réponse. Ce que l'on fait, on va choisir la réponse, l'affirmation juste. C'est A, première. Et les charges fixes totales sont constantes et les charges fixes unitaires sont variables.
Il a dit, d'après vos cours d'informat, vu que le montant des charges fixes totales est constant, les charges fixes totales sont constantes, lorsque l'on divise l'activité, les charges fixes unitaires deviennent variables. Si l'est également, ce n'est pas le cas quand elle est régulière. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine séance.